Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ces trois personnages, le caïman, le chasseur et Masakurari. Voici donc la suite. Masakurari, il s'agit de ce livre, caïman et sa famille, et le pauvre chasseur. Le chasseur a attaché le caïman et ses petits, et les a portés sur sa tête jusqu'à la rivière, et les a déliés. Mais alors, les méchantes bêtes tournent autour de lui pour le manger. Le chasseur essaie de se défendre. À ce moment, survint Masakukari. Eh bien, demanda-t-il. Quel malheur y a-t-il? Restez un peu tranquille et expliquez-moi ce qui se passe. Le chasseur essayait de raconter l'histoire. Mais il était si affairé qu'il avait peine à s'exprimer. Le caïman, de son côté, ne disait que des mensonges. Votre affaire, reprit le lièvre, me paraît bien compliquée. Elle baissa une oreille en signe de réflexion. Dis-moi d'abord, Bama, comment un homme de la taille de celui-ci a-t-il pu vous emporter depuis la forêt jusqu'ici? Toi et tous tes petits. Il nous a liés avec des cordes, nous a posés sur sa tête et nous a portés à la rivière à travers les champs et les rizières. Pour te croire, répondit Kokari, je voudrais voir de mes yeux comment toute l'affaire a marché. C'est bien facile, dit le caïman. L'homme n'a qu'à recommencer. Quand Mbama, le crocodile, et toute sa famille furent solidement ficelés, Kokari, le lièvre, dit au chasseur. Maintenant, charge-les sur ta tête et porte-les à l'endroit où tu les avais trouvés. L'homme fit ce qui lui était ordonné, laissant choir les caïmans à l'endroit où il les avait pris. Alors Masakukari dit à l'homme, chasseur, aimes-tu la viande que voici? Je mange volontiers, répondit l'autre. Eh bien, mange-la comme tu voudras, puisque Mbama a voulu lui-même te manger. Eh bien, mange-la comme tu voudras, puisque Mbama a voulu lui-même te manger. Notre chasseur rechargea les caïmans sur sa tête. Il s'enfuit vers son village pour préparer un bon repas. Voilà, les mots expliqués apourait qui a très peur, s'exprimer, dire ce qui s'était passé, les rizières, terre humide où l'on cultive le riz, choir tombé, il s'enfuit et s'en alla. Vous pouvez chercher les mots difficiles comme quel malheur, restez tranquille, tranquille, restez tranquille. Expliquez-moi, s'expliquer, expliquez-moi. Et il essayait ou il essaya s'exprimer, réflexion, jusqu'ici, les rizières, choir, volontiers et le rechargeant. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vais vous raconter l'histoire de ces trois personnages.